Précaution d'usage, donc. C'est une préface. Il y a 3 ans, en 2008, j'ai publié un livre intitulé « Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs déconcertés, désorientés, désemparés ». En dépit des apparences, c'était tout sauf un recueil d'articles. Le projet du bréviaire, concerté, réfléchi, prémédité 2 ans auparavant, a commandé l'écriture de nombre de ses entrées. Projet d'ensemble destiné à honorer quelques glorieux écrivains, certes entre 200 et 300, français ou étrangers. Il ne manquait pourtant pas de se signaler aussi par ses absences ou lacunes cardinales. Ce sont quelques-unes d'entre elles que j'ai voulu combler avec ce supplément inactuel au bréviaire. Une dizaine d'écrivains. Certains, vous déciderez, sont oubliés, méconnus, trahis, académisés, au choix. Parfois aussi pelus, ceci expliquerait cela. Certains, voire les mêmes, font figure de réprouvés sulfureux. On verra que ce n'est pas le plus souvent par ce biais qu'ils m'ont touché. Rien de systématique ici, sinon l'envie, parfois, quand même, de faire justice d'un malentendu à propos de quelques proches, sinon intimes, entre guillemets, parmi les écrivains français qui m'accompagnent, dans le sillage intimidant de quelques glorieux aînés, généreux irréguliers, disons pour l'ambiance Pascal Piat ou Hubert Juin. Le tout reste incomplet, pas trace ici de Pierre Reverdy ou de Jules Laforgue, de Martin Amis, de Ian McEwan ou de Graham Swift, d'Alice Munro ou d'Antonio Muñoz Molina, d'Annie Dilliard, de Jerzy Kosinski ou de Danilo Kish, voire de Javier Marias, évoqué beaucoup trop vite dans le bréviaire. Beaucoup reste à faire, on fera ou pas. Le principe qui a commandé leur évocation est le même que celui qui a présidé à l'écriture et à l'élaboration du bréviaire. À chaque fois, j'ai attendu la publication d'un livre, à propos ou autour, voire de l'écrivain que je souhaitais évoquer. Livres qui furent, selon, alibi, prétexte, occasion d'accomplir les forfaits, prémédités donc, qui vont suivre et qui n'ont pour fin que de donner à lire, de jouer ce rôle de passeur ou d'intercesseur que tout lecteur de bonne volonté, un jour ou l'autre, endosse. Maintenant à vous de voir. Merci d'être venu. Asseyez-vous. Scotch, bourbon, oui j'ai des cigarettes. Allons, lisez, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Bon, ça c'est la préface. Et là je vais enchaîner avec le premier qui s'appelle Aragon Manifeste, qui précède Drieux. Bon, c'est comme ça, vous verrez. Ou pas. Alors Aragon Manifeste, ça commence comme ça. On ne circonscrit pas le génie, on n'en fait pas le tour, au mieux on le reconnaît, puis allez, on l'évoque. Ou alors, l'autre solution à propos d'Aragon, on ne le lit pas. Alors on peut, oui, oser la caricature, l'enfermer, le museler, le dénaturer. Y voir qui Déroulède, qui Béranger, qui un Hugo au petit pied. Qui un faiseur, un menteur, un truqueur, un qui fait semblant. Bref, on peut choisir l'ignorance. On a tort. Aragon, pour un écrivain, peut jouer 2 rôles, starter ou été noir. En cause, l'évidence du génie. Il exalte ou il accable.